Bonjour, je suis Hélène Kossig, responsable environnement chez Barjan. Barjan est un groupe spécialisé en immobilier logistique et industriel créé en 2006. Nous nous attachons à développer des projets de haute qualité architecturale, paysagère, environnementale. Le développement d'espaces propices à l'enrichissement de la biodiversité est un des axes majeurs de la stratégie de développement durable de Barjan. Nous travaillons donc avec des écologues et des paysagistes conseils afin de concevoir au mieux nos projets en tenant compte du contexte local. C'est bien le cas sur ce site. Nous sommes ici sur le parc des Aiguilles à Ancias-la-Redonne, aux portes de Marseille, un parc d'activité de 60 hectares que nous aménageons en tant que concessionnaire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Avec notre paysagiste conseil, nous avons réalisé ce travail de conception sur le parc des Aiguilles avec deux objectifs principaux. Rappeler les espaces paysagers adjacents et faire en sorte que le parc soit en continuité de son environnement immédiat. Nous avons fait le choix d'essences locales et adaptées au climat, plantées de façon multistrate afin de permettre un développement de la faune et de la flore. En 2023, nous planterons donc 1000 arbres et arbrisseaux et plus de 6000 arbustes. Bonjour, Stéphane Dousseau, je suis gérant d'une société d'espaces verts qui s'appelle Intérieur Vert. Nous sommes basés sur Aix-en-Provence. On est une dizaine de collaborateurs. Fin 2022, suite à une consultation privée, nous avons été choisis par le groupe Barjan pour faire des espaces verts sur le parc des Aiguilles en Ancias-la-Redonne. Le chantier s'est décomposé en 6 parties. Nous avons planté des essences locales sur ces 6 parties qui sont des amandiers, des tilleuls, essentiellement pour la biodiversité au niveau des abeilles. Nous avons du romarin, nous avons du rhamnus, nous avons du phlomis. Qui sont des arbres, des végétaux méditerranéens et qui nécessitent peu d'eau pour leur croissance. Chaque plante sera recouverte d'un paillage qui aura la propriété de limiter l'évaporation de l'eau. Donc sur les zones de futur développement du parc, nous avons transplanté des essences qu'il y avait déjà, comme des amandiers, comme des oliviers. Nous sommes heureux de travailler avec la société Barjan, groupe à taille humaine, avec qui nous réalisons ce projet, qui permet de revaloriser le site avec des essences du terroir